Et la sortie aujourd'hui du film The Lost City of Z de James Gray, l'histoire vraie de l'un des plus grands explorateurs du XXe siècle, un colonel britannique qui va partir pour l'Amazonie sur les traces d'une cité perdue. Brad Pitt puis Benedict Cumberbatch devaient incarner le héros et c'est finalement Charlie Hunnam qui a été choisi aux côtés de Robert Pattinson pour cette grande fresque romanesque. David Caillon. It looks good to me. I can't tell focus. If it's good, we're good. Révélé en 1994 avec Little Odessa, qui lui vaut à 25 ans un Lion d'argent au Festival de Venise, en 6 films amples et mélancoliques, James Gray s'est imposé comme l'un des grands cinéastes de son temps. To dream, to seek the unknown, to look for what is beautiful is its own reward. Héritier de Francis Ford Coppola et du Nouvel Hollywood, avec The Lost City of Z, épopée qui raconte les expéditions d'un explorateur anglais, persuadé de découvrir les traces d'une civilisation inconnue dans la jungle amazonienne, il signe une fresque étrangement intimiste. What you seek is far greater than you ever imagined. It is your destiny. Une histoire d'obsession comparable à celle du réalisateur qui a mis près de 10 ans à faire ce film. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense consciemment, du moins au début, on ne se dit pas « comment est-ce que je vais faire un film sur ma propre obsession ?» Ça ne marche pas vraiment comme ça, mais au final, ça revient au même. On se jauge soi-même à travers le film. Si on ne le fait pas, alors il n'y a pas vraiment d'intérêt à réaliser cet exercice. Je suis dans le film et je suis sûr que mon combat apparaît de façon très claire et que les parallèles sont assez évidents. L'aventure de ce film débute en 2009 avec la parution aux États-Unis de La Cité perdue de Z de David Gran. En s'inspirant de cette histoire vraie, James Gray choisit de s'écarter du film d'aventure et de se concentrer sur les conflits intérieurs du personnage. C'est un véritable défi d'adapter un livre. Il y a tellement de choses à traiter. Et en réalité, il n'y a que trois phrases dans le livre qui évoquent le fait que son père soit alcoolique et joueur. L'essentiel, c'est de voir comment il se détache de ce terrible fardeau de l'humiliation familiale. La journée peut bien signifier votre vie. À la fin, vous serez parti pendant plusieurs années. Mais si vous étiez à succéder, un tel undertaking pourrait vous donner une soldierly décoration. Et. Even reclaim your family name. Les principaux thèmes du livre concernent la classe et le statut social. J'ai trouvé ça très intéressant car on se demande quel peut être le lien avec la jungle où le statut social est une idée absurde. Et le film est né de cette réflexion. Plus habitué à filmer New York, le réalisateur de La Nuit nous appartient s'est pour la première fois éloigné de sa zone de confort en filmant dans la jungle colombienne. Une jungle qui rappelle celle d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Francis a été d'un grand soutien pour moi, et c'est indéniablement une de mes idoles. Mais j'essaye de ne pas trop emprunter à ses films, même si je dois sans doute m'en inspirer. Parce qu'un film comme Apocalypse Now, ça demande tellement d'efforts. Dans l'histoire du cinéma, il est incroyable à tout point de vue. Le principal défi pour nous, c'était de s'assurer que la jungle semble à la fois attirante, sans pour autant être totalement séduisante, qu'elle ne soit pas trop belle, pour être considérée comme une sorte d'idée romancée du racisme et de la glorification du primitif. Ça, à l'inverse, ça aurait été raciste. Donc nous avons décidé de tourner en lumière naturelle et de mettre l'accent sur les aspects séduisants, mais sans aller trop loin, dans une forme d'esthétisme. Avec ce film, James Gray met en scène un personnage en proie au doute, un trait commun à tous ses héros. Je crois que mes personnages partagent tous une vision d'eux-mêmes profondément troublée. Mais je pense que c'est bon pour le drame. Vous savez, le fameux « être ou ne pas être ». It is there, and we must find it.